Yahweh. Alléluia. Ote. La Guinée est devenue propriété privée d'une catégorie de personnes en complicité avec des maudits Guinéens, quoi. Ote, montez, on va montrer, on va essayer de véhiculer quelques solutions encore pour les jeunes de Kaloum surtout. S'il y a un jeune de Kaloum ici, partage. Ote, omu 500 lire, go. Une minute na yon fi, omu 500 lire. O 500 lire, on a follow, bo de femme, fo wo li. Wa taroun, ini fe fete, a taroun, ali a taroun mané, keren, namara fang. Une minute, 500 personnes, je vais commencer. Et les gens vont venir au fur et à mesure. personnes. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Réveil Guinée. D'abord, d'entrée de jeu, les Guinéens, il est difficile d'aider les Guinéens. Il est très difficile de faire le combat du Guinéen. Même si on leur donne toute l'opportunité, on leur donne toute la chance de changer ce qui doit être changé, et ça, c'est ils regardent. Dans ce combat-là, des changements de régime en République de Guinée, la communauté internationale veut changer les choses en Guinée. Mais ils ne viendront pas changer pour vous. Ils vous donnent les possibilités de changer. C'est pourquoi après ce scrutin, ils veulent faire partir Alpha Condé. Mais si le Guinéen n'est pas déterminé pour que Alpha Condé aille, franchement, Nathan, on ne peut rien. Ils vous donnent toute la latitude. Regardez les médias internationaux. On ne parle que les exactions qui se passent en République de Guinée. Regardez les ONG internationaux, internationales. Ils ne parlent que ce qui se passe en Guinée et la vérité. L'Union européenne doute de la sincérité de ce régime. Et Marc communiqué Ramini, Damama. Mais si le Guinéen communautarise le combat à foule et n'a guérinara et tarantun torori qui ne se plaint pas du pouvoir de Alpha Condé en République de Guinée, qui ne se plaint pas de la mauvaise état de nos routes, qui ne se plaint pas de l'incompétence de ce gouvernement, qui ne se plaint pas des exactions de ce gouvernement, une farine baramirema manike na mabama kele. Qui ne voit pas ça en République de Guinée? Qui n'en a pas marre de Alpha Condé? On vous donne toute l'opportunité de changer le régime. Quand il est trop tard maintenant, c'est le pouvoir de mon toro. Priez qu'il ne se fatigue pas. Donnez-lui un coup de main pour ne pas qu'il se fatigue. Mais il pourra se fatiguer, c'est un être humain, il peut se fatiguer. Tout le monde doit se lever pour bouter ce pouvoir-là, hors de nos frontières. Mais asseyez-vous et regardez ce qui se passe. Quand il sera trop tard maintenant, la communauté internationale a prouvé par toutes les manières qu'il n'est pas pour ce pouvoir. Qu'ils veulent qu'on change le régime en République de Guinée. Mais Odori, personne n'ira changer ça pour vous. Les jeunes de Kaloum, vous ne travaillez pas. Odori, Greta Nabi, vous avez la possibilité de faire parler de vous. Moi, je ne vous dis pas de vous lever et de partir chasser Alpha Condé. Posez des conditions. Le jour où vous allez vous lever, c'est ce jour que ce pouvoir va changer. Sorry, il y a mon minimum, parce que sorry, je suis à ma Kaloum. Haldadis Nara, sorry, Kaloum va faire que lui, Anayon. Ce que vous allez faire, c'est un de vous qui est à côté de ce Loudalé aujourd'hui. Il n'y a pas d'audience entre eux. Faites votre liste. Tous les jeunes de Kaloum, Haon non régime Massaradi, la première des choses
c'est qu'on vous donne du travail. Alcora ba fa le fi grand o ba do fi baydi ariboran fara à 50 000 jours. Baydi aribo furumbe allo lever nous bo farine allo matira ki anere a furina na kine baydi aribo furumbe c'est kuba ko na tena ma ki un homme enceinte à la banque centrale. Mobilisez-vous, voilà l'ici à la waso Gibrili, voilà la bête. Quand on manifeste de Takui, en régime Namasara, la première condition qu'on donne du travail, c'est faisable. Au nom de Waldi, on a bangé sa défi, on a dégagé, on a fait pour le Nirawama. Quand on a fait 50 000 ans, on a fait un soir à dire. On a fait 50 000 ans, il y a un bonbon ça là. Mais vous refusez tout ça, vous dorez, vous 50 000 ma mère, à Bobodina Kili, à 20 000 souris, ou bien à Yerez ouïr, vous regrettez la nabi. Posez votre condition, participez à la libération de notre pays. Nous devons faire ici, tout de suite là, ils vont partir faire votre liste. Baïdis Gamala, il aura risque là. Il va vous dire qu'il va vous donner du travail, mais vous avez la possibilité. Posez des conditions. Womaso Djibril là. Partez près de Djibril. Posez ces conditions à Djibril. Djibril, si nous participons et que celui d'Alain vient au pouvoir, il faudrait qu'on ait le travail. C'est faisable. Vous payez. C'est soit dans les sociétés minières, Womaso, Yawam, police, Yawam, gendarmerie. C'est faisable. À Nomarabadi. Fendira Bama, Fenama. Les jeunes de Kaloum, posez votre condition et descendez pour participer au changement de ces régimes. On a d'or Kambira, mais aura condition posée. Très bien. C'est ce que je voulais dire aux jeunes de Kaloum. C'est un de vous qui est près d'eux. Hein? Il n'y a pas d'audience entre lui et celui d'Alain. C'est Gibril Agi. Vous pouvez le contacter, vous pouvez lui poser cette condition. Je suis sûr à nos Marabadi. À nos Marabadi. On dépasse ça. On a vu le ministre de la Justice qui dit que quiconque va inciter à la haine sera poursuivi. Il pourra même perdre la citoyenneté. Il a raison. C'est la loi qui le dit. Je le supporte dans ça. Mais, monsieur Mori Doumbouya, il faut commencer d'abord au commencement. Ousmane Niello et Moussika Gueli. Khamou ma kiti, khamou perda la citoyenneté là, ta loi là, ta décision là, ça ne serait pas pratique. Amoun nomara badi, les preuves existent. Les preuves ça existe. Il va à Kanka, il incite les gens à tuer les pulls. Ça existe. Khabantama so musika geli, il fait 6 ans de prison, il perd sa nationalité. Ta décision là, c'est non avenue. Ce serait une décision hypocrite. La vidéo de Bantamassou, ça existe. Asiga dans un ministre qui dit Allez foula luminali Goufara. Ça existe la vidéo. C'est à vous, monsieur Mori Doumbouya, je m'adresse. C'est une très bonne décision. Veillez sur les réseaux sociaux. Je sais que vous allez voir cette vidéo. Veillez sur les réseaux sociaux. Traquez tout ce qui menace la quiétude. Mais les RPGistes sont les plus impolis. C'est eux qui dérangent le pouvoir. C'est eux qui dérangent la quiétude dans la société. Wulouda, c'est-à-dire barré de Khamusiga Geli, ta décision là, il n'a pas mou laï, il n'a pas mou ma soira, il n'a pas mou la soira pagaï. Il faut arrêter d'abord ces trois personnes. Quand tu commenceras par ces trois personnes, quiconque tu arrêteras, nous saurons que tu te bats pour la liberté, pour la justice.
Mais si tu ne commences pas par ces herpésistes, il a moulera pagaï. C'est ça. Djane alpha o yoronama. Takana o yoronama. Parce que les herpésistes sont les plus virulents sur les réseaux sociaux. Ils incitent à la haine. Ils ont incité les villageois à barrer la route à Seloudelin, à caillasser sa voiture. Les preuves existent. Ils ont passé la nuit là-bas. Ils ont tendu le guet-apens au cortège de Seloudelin. S'il n'avait pas été vigilant, s'il n'avait pas été un homme de paix, c'est parce qu'on allait parler aujourd'hui. Peut-être que M. Loufaramanemani, donc il fera la Guinée en Loumaya, le Rwanda. Astaghfirullah. Ça allait être comme ça. Mais Dieu merci, c'est un homme sage et sa sagesse au gouvernement Birmalangi à Mounaouira. Nous voulons le changement du régime. C'est un combat légal. C'est un combat normal. Moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. On a Amir Faraday. Mais manifestation dans les manifestations, c'est empêcher le cours normal des choses. Mais la violence physique sur des gens, je ne suis pas là-dedans. Mounayamato, Mayamatina. Mais manifester, aller à ses retours et alpha qu'on est à la ce n'est pas inciter des gens à la violence. Le premier malfrat en République de Guinée, c'est M. Alpha Condé. La première personne qui ne respecte pas la loi en République de Guinée, c'est bien Alpha Condé. Si vous êtes fort, M. Mori Doumbouya, aidez-nous à avoir cette haute cour de justice qui peut interpeller M. Alpha Condé, qui peut interpeller les ministres renégats comme Bantamassou, comme Mokhtar Diallo. Mais vous êtes incapables. Vous venez où on briara mirema, aucune procédure n'est respectée. Tu es un homme de droit. Tu es un homme de la boîte. Tu connais les sérails. Il n'y a pas de loup. Et fini. Mirkobira. Amoudara. Aujourd'hui, je suis déçu de vous. Les hommes de droit qui devaient se lever, se battre pour la Guinée, se battre pour le bien-être des Guinéens, c'est eux aujourd'hui qui sont à la marmaille. Il y a trop d'exactions en République de Guinée. Si vous êtes fort, essayez de libérer ces prisonniers politiques. Essayez de libérer ces prisonniers politiques. Omar Sikawe et Sageli pour intimider les gens. Ce régime-là sera changé. Hamouma changé, Hamouta Mouna changé, Allah changé, Manana, Yamou Bouma. Au Kremon Ritongo, Amounoma Nyeredeati, Orana impose Miriuma, Amoulama. Ça ne peut pas marcher. Alpha Condé n'est qu'un vieux. Il est fatigué. Il n'est bon qu'à rester dans la maison de retraite, même. À reposer. C'est ce qui est bon pour Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? 10 ans, il n'a rien foutu. 10 ans, les ministres ont volé, 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 volé. Et le ministre n'a embabé. Et sa tongo, et sa doro, président Skoui. Parce qu'à Mara Mouyati, on a fait mouyen, on a fait la population, mais mouy mouyen en tiré. Et tongo, et ranim président. Tous les ministres qui Alpha Condé a enlevé, ils sont tous là-bas encore. Ministres encore. Tout ça la prendra fin. Mais nous avions affaire à une population soumise qui aime la souffrance. Donc, Wotoro, Alpha Condé, modèle, il est un type méchant. Il est vieux, il ne veut pas laisser. La communauté internationale nous soutient, nous les Guinéens. Les Guinéens de l'extérieur font leur partition, Islam ambassade. Mais les Guinéens de l'intérieur, Misera Bari, Misara. Pourquoi vous aimez dénoncer et pourtant vous avez la possibilité de changer ce régime? Et à tous ces politiciens, vous parlez de changement. Seul c'est le DLMP entraîner ce changement.
Levez-vous comme un seul homme, vous le soutenez dans ce combat, nous allons finir avec en une semaine. Mais asseyez-vous, soyez indifférent, vous allez rester dans ça. Si c'est l'Oudalin échoue, si c'est l'Oudalin se fatigue, c'est fini. Aucun d'entre vous ne peut mobiliser 100 personnes. Aucun d'entre vous ne peut faire le poids, même devant Bantamassou, même devant le petit Nyeloy. Omunomayati. Donc, c'est le bon moment de parler le même langage. C'est le bon moment de se lever comme un seul homme, changer ce régime d'abord. C'est la première chose qu'il faut faire. Changer d'abord ce régime. Ensuite, voir comment on va mettre les stratégies sur pied pour développer notre pays. Mais j'ai constaté que vous êtes tous indifférents. Tous. Obirindo Wakwen. Personne ne veut se lever. Personne ne veut conjuguer le même verbe avec les autres. Ha UFDG raté, c'est fini. On a raté le changement. Falfa konde faka sonandi. Falfa sonandi. Mengayakui. Seul UFDG peut envoyer ce changement. Levez-vous, soutenez UFDG. Si tous les candidats, ils sont d'accord qu'Alpha Condé n'a pas gagné. Mais parmi eux tous là, qui peut gagner? Si Alpha Condé ne gagne pas, qui peut gagner là-bas? Pourquoi vous ne pouvez pas supporter ces derniers? Pourquoi les communiqués ne vont pas aller dans le sens de ça? Mais Obindo Wakwe, on n'est pas d'accord, Alpha Condé n'a pas gagné. Qui peut avoir même 1% entre vous? C'est dommage. On coupe l'internet quand on veut. Mais c'est ridicule même quoi. On coupe les appels quand on veut. On met les gens en prison quand on veut. To anaborekane. Vous qui êtes assis là, vous regardez les gens là. Demain ça va être vous. Sidia même n'a pas été épargné. Sidia même n'a pas été épargné. On est parti retirer son passeport. Jusqu'à présent, il n'a même pas son passeport. Et il est assis, il ne veut pas qu'il y ait changement. Sinon, s'ils veulent qu'il y ait changement, c'est comme quand il s'était levé contre Dadi sur le plan international, à l'interne. Et à l'époque, l'international n'était même pas favorable comme ça. Mais aujourd'hui, l'international est unanime qu'il faut changer Alpha Condé. Tout le monde est unanime que Alpha Condé, c'est un candidat illégal. Il veut faire le forcing. Mais rien, personne. Quelle que soit la volonté de la communauté internationale, à la Guinée, qui est d'origine, il y a des vieux là. Ça va être comme ça.